Hello les filles, alors aujourd'hui je vous présente mon rangement maquillage. Donc voilà comment se présente mon rangement maquillage. J'en suis pas super fière parce que c'est pas super beau, mais je vais vous montrer un petit peu de quoi il se compose. Alors donc voilà, là vous avez l'endroit où se situent tous les maquillages, donc tout ce qui est rangement, soins, pinceaux, etc. Donc ici je place tout simplement mes masques, donc vous avez le masque ici, peeling de chez que j'ai acheté chez Creuvivat, chez Fuma. Vous avez aussi derrière le shaker de chez Sephora, je sais pas si vous le voyez, et un nettoyant pour les mains. Ensuite, de l'autre côté de la petite armoire là, vous avez donc tout ce qui est pinceau. Dans le petit pot, c'est tous les pinceaux pour les yeux, et le grand pot juste là, c'est tout ce qui est pour le teint. Mais bon, vous voyez que c'est un petit peu mis comme n'importe quoi. Je vois qu'il y a un pinceau qui s'est barré. En dessous, j'ai juste mis ma boîte de mon parfum préféré et alors une petite boîte de paillettes que j'ai reçue de chez Kiko. Ensuite, derrière, je mets tout ce qui est lac, bombe, vernis, dissolvant, pardon. Et après, vous avez ma petite boîte qui se compose de tous mes maquillages. Donc, dans la première boîte, vous avez tout ce qui est pour... le teint, donc là j'ai un petit peu foutu le désordre, je vais dire. Donc ça c'est tout ce qui est fossile, et alors c'est les primers. Ensuite vous avez donc tout ce qui est correcteur ici, un petit peu de tout hein. Vraiment j'essaye, je teste. Correcteur de chez The Body Shop, truc de chez ELF, donc l'eau de teint qui n'est pas la mienne d'ailleurs, que je dois rendre, c'était juste pour un mariage. Les fonds de teint que j'utilisais mais que je n'utiliserai plus parce que je n'aime pas celui-là, et correcteur pour les yeux. Donc voilà, vous avez remarqué que c'est correcteur et teint. Ensuite, dans le deuxième tiroir, vous avez tout ce qui est blush, bronzer, etc. Je vais vite ranger ça. Donc on a les blushs ici, petits blushs que j'avais reçus chez Dee, blush Kiko. On a les poudres que j'utilise aussi. Poudre HD de chez Catrice. Donc voilà, blush, bronzer et poudre. Et illuminateur aussi, j'en ai seulement un, mais j'en ai un. Ensuite, le troisième tiroir, en fait, c'est tout ce qui est pour les yeux. Donc vous voyez, c'est un petit peu foutu n'importe comment. Et donc là se trouve tout ce qui est... mascara, j'allais dire ici. Mascara, fard à paupières, taille crayon, eyeliner, voilà, un petit peu de tout. Je ne vais pas vous montrer tout mon maquillage, mais vous voyez comment c'est fait. Et le dernier tiroir, mon préféré, c'est celui des rouges à lèvres. Donc, ne soyez pas trop sûr. Oh, je vais casser mon truc, ça y est. Oh, ben j'en ai. Oh, mais ça y est, tout mon rangement. Merci. En personne, vous voyez vraiment que j'ai dégringolé ma boîte. Donc voilà, c'est tous les rouges à lèvres que j'ai. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est rouge à lèvres et tout ça. Et ensuite, là-bas, c'est crayons, gloss et tout ça. Tout ce qui est ici, en fait, sont des rouges à lèvres que soit j'ai acheté moi-même, surtout ce qui est Kiko, ELF et tout ça. Mais tout ce que vous voyez, c'est des trucs que j'ai reçus dans des boîtes, donc que je n'utilise pas forcément. Et vous voyez, je suis une addict des rouges à lèvres. Si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi un rouge à lèvres. Voilà. C'est vraiment mon dada. Ensuite ici on a ma crème donc de jour. Je la mets là parce que c'est beaucoup plus facile. Donc c'est ma crème Olaz. Et une autre crème à tester. Donc ça c'est un miroir que Sharon m'a offert. Donc c'est son papa qui l'a fait lui-même. Donc voilà, il y a une petite culte, enfin un petit truc comme ça. C'est vraiment trop mignon. J'adore, je suis complètement fan. Alors ici on a tout ce qui est produit pour les cheveux, donc en général je m'attache les cheveux pour me maquiller, et là donc c'est des soins kératine, shampoing sec de chez Baptiste, et alors un protecteur pour la chaleur, évidemment je sais pas leur mettre, mon petit peigne qui est toujours là. Et donc là vous avez toutes mes palettes que j'ai mises dans une boîte, je ne veux pas vraiment où les mettre, vous voyez c'est un petit peu fait à la nawak.
je savais pas vraiment où les mettre, donc je les ai mis dans une petite boîte comme ça. Donc vous avez mes palettes de Balm, mes trois palettes Naked. Donc j'ai racheté celle-là il y a pas, enfin j'ai acheté pardon celle-là il y a pas longtemps. Palette Sleek, palette de Balm encore, palette de Nawak et toutes mes petites palettes qui sont dans la boîte. Donc je vais vous montrer un petit peu le truc si je fais pas tout tomber. Donc voilà, petite boîte. Voilà les filles, j'espère que ce petit rangement make-up vous donnera des idées pour la suite. Je suis pas super fan, mais bon, en attendant, c'est ce que j'utilise. Maintenant, c'est certain que j'en referai sûrement un autre quand je serai mariée et que j'aurai un autre rangement 10 fois mieux. Donc voilà. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Des bisous!